Tu me dis quand on peut commencer, hein, quand on est en ligne. Merci Amandine, je le garde pour tout à l'heure. Moi. C'est Pâques, nous avons eu droit à des petits œufs distribués par Amandine. Donc, joyeuse Pâques à tout le monde, sur Internet ou où que vous soyez. Nos amis chrétiens, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, on ne sait jamais. Alors, donc, on peut y aller ? Je n'ai pas de réponse. Allez. Bon, alors, je vais vous embêter encore. Geshela a beaucoup insisté aujourd'hui pour qu'on fasse des rétrospectives et qu'on revoie bien les points différents. Hier même, il a insisté, il a commencé hier déjà. Donc je voudrais bien, puisqu'on en est au troisième point maintenant, et puis que ça commence à prendre corps, tout ça, que vous voyez bien un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et comment ça s'arrange, hein, les étapes, comment elles sont reliées, les parties entre elles, tout ça, donc... C'est assez complexe pour le figurer sur un tableau, parce que vous voyez, il y a plein de choses qui sont au même niveau, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, tu vois, c'est un peu difficile. Donc, la première chose, quand on arrive, avant de commencer les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a d'abord le premier enseignement, c'est suivre le maître spirituel. Hein, puisqu'on ne peut pas... On ne peut pas pratiquer cette voie si on n'a pas de maître, si on ne reçoit pas d'instruction. Alors, je vais glisser comme ça, c'est mieux là, vous voyez bien. Donc, la première rubrique, le premier point, c'est suivre le maître spirituel. Okay ? Et là, quand on suit le maître spirituel, sur quoi on se concentre ? On se concentre essentiellement sur les qualités du maître. Qualités du maître et du disciple. Quelles sont les qualités que doit avoir un maître spirituel pleinement qualifié ? Et quelles sont les qualités que doit avoir un disciple pleinement qualifié ? Ça, c'est le premier point. On revoit un peu le lamrim. Hein, je pense que ça serait nécessaire quand même, surtout pour les gens qui ont pris peut-être le train en route aussi, on ne sait jamais. Voilà. Donc ensuite, ça, ce sont des méditations hein, aussi. Tout le lamrim, c'est pour méditer. C'est bien sûr pour étudier, hein, puisqu'on a lit les deux, mais c'est surtout pour nous apprendre à méditer. C'est une voie progressive de méditation. Et là, avec Bodhicitta, c'est évident. Hein. On aura beau lire des centaines de livres sur Bodhicitta, c'est pas ça qui va vous le faire développer. Mais c'est à partir du moment où on commence à méditer sur Bodhicitta qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là aussi, Geshe-la a beaucoup insisté là-dessus, qu'il ne fallait pas s'en tenir à une connaissance simplement livresque de la Bodhicitta, mais vraiment commencer à l'intégrer, à la goûter. Et ça, on ne pourra la goûter que par la méditation et l'étude, bien sûr. Les deux doivent aller de pair. Donc, tout ça, ce sont des méditations. Alors donc, quand on a vu les qualités du maître et du disciple, on a les quatre points là. Comment le suivre en pensée ? Comment le suivre en action ? Quels sont les bienfaits de suivre un maître spirituel correctement ? Et quels sont les inconvénients de ne pas le suivre correctement ? Quatre points qui sont... Voilà, quatre sujets de méditation hein, qui sont vraiment importants par rapport au maître spirituel. Si vous avez bien ce tableau en tête, après, quand on lit des textes comme la base, le fondement de toutes les qualités, à chaque strophe, vous avez le plan qui vous revient comme ça, et vous savez sur quoi il faut méditer. Si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez aucune idée, vous lisez les strophes comme ça, comme on réciterait l'annuaire, hein, puis voilà. Non, le fondement de toutes les qualités, c'est un texte écrit par le Matsongkhapa qui est un condensé du lamrim qu'on trouve dans le livret doré. Je te ferai voir, je n'ai pas la page en tête, mais je te montrerai si tu veux tout à l'heure. Et donc, tu n'as pas étudié les découvertes du bouddhisme avec nous ? Non, tu n'étais pas... Ouais. C'est loin. Il me semblait bien t'avoir vu un petit peu, ou aperçu, disons. C'est pas méchant, tu me connais. Bon, donc voilà. Ensuite, donc quand suivre en pensée, ça permet justement de développer la foi et de se souvenir de sa bonté.
C'est de se souvenir de sa bonté, donc, qui va vous permettre de développer la foi aussi. Comment on fait pour développer la foi, pour cultiver la foi, en se souvenant de la bonté du Maître, de sa gentillesse, et en se concentrant sur ses qualités. On ne s'est pas dit là, mais voilà. Se concentrer sur ça, c'est pour rentrer, même pas pour rentrer dans la voie, c'est commencer à aborder le sujet en question du Lamrim. Ensuite, le deuxième point sur lequel on doit méditer, c'est la précieuse renaissance humaine. Là non plus, on n'est pas encore entré dans les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale. Donc, deuxième point, deuxième méditation, la précieuse renaissance humaine. D'accord ? Et là, donc, on va méditer sur quoi ? Sur les 18, hein, c'est les 8 libertés et les 10 attributs, en voyant leur grande valeur. Et grande valeur parce qu'on peut atteindre l'éveil, etc. Dans cette vie, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la rareté de cette précieuse renaissance humaine. Donc voilà les trois thèmes principaux. Passer en revue les libertés et attributs, voir la grande valeur de cette précieuse renaissance humaine et sa rareté. Donc une fois que l'on a, ça on le fait une fois qu'on en a, je l'ai pas dit, que l'on a établi la relation avec un maître. Donc ensuite, quand on a fait ça, on va passer à la véritable façon d'en extraire l'essence, puisque l'enseignement dit qu'il faut extraire l'essence de cette précieuse existence humaine. C'est à ça qu'on arrive comme conclusion quand on a examiné tout ça. Donc on va voir ensuite la véritable façon d'en extraire l'essence de cette précieuse. Et là, on rentre dans les trois types de catégories, les étapes de la voie commune aux trois types d'êtres. Donc on commence par la première, c'est-à-dire les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale. Et après, on verra, donc, il y aura les deuxièmes qui sont intermédiaires et les troisièmes qui sont supérieurs. Okay. Donc on va commencer par les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale, c'est le premier point. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Il faut commencer... À quoi ça va nous amener, ça ? Ça va nous amener à développer une attitude mentale qui est concernée plus par la vie future que par la vie actuelle. C'est ça qu'on va essayer de développer pendant ce premier volet. Donc, développer une attitude mentale concernée par les vies futures. Et comment on fait ça pour développer cette attitude mentale concernée par les vies futures? On médite sur la mort. Le rappel constant quand on va mourir. C'est ce qu'on appelle la conscience de la mort. Donc là, il y a deux choses pour cette méditation. Les inconvénients de ne pas se souvenir de la mort. Quels sont les inconvénients de ne pas se souvenir de la mort? Vous savez, on remet toujours le dharma plus tard. Si on ne le remet pas plus tard, on le pratique, mais de manière un peu de temps en temps, pas toujours, ou pas de manière pure, parce qu'il y a les 8 dharmas mondains, tout ça. Vous avez les 8 inconvénients, ou les 6 inconvénients, pardon. On pratique de manière molle. De manière molle aussi, voilà. Voilà, vous n'êtes pas vraiment concerné. Parce que vous pensez toujours que ça ne viendra pas aujourd'hui, finalement. Ça viendra peut-être plus tard. On pense qu'on est plus ou moins immortel. Bref. Donc, alors, ensuite, on a ce qu'on appelle les 3 racines et les 9 raisons et les 3 conclusions pour méditer sur la mort. Le 3-9-3. Donc, 3-9-3, c'est la première racine, la mort est certaine. La deuxième racine, le moment de la mort est incertain. Troisième, seul le dharma va nous aider au moment de la mort. Et chaque racine est divisée en 3. Donc la mort est certaine, c'est divisé en 3 raisons, parce que la mort viendra forcément, on ne peut pas l'arrêter. Deuxième raison, la durée de vie s'amenuise sans cesse et ne peut pas être allongée. Et la mort viendra avant que l'on ait pratiqué le dharma. Parce qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps à faire d'autres choses qu'à pratiquer le dharma. Donc ça, c'est ces 3 raisonnements qui permettent d'avoir la certitude
voilà, de la mort. Ensuite, le moment de la mort est incertain. C'est le deuxième racine. On médite sur trois points là-dessus. Hein, notre durée de vie est incertaine dans notre monde. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Il y a beaucoup plus de conditions. Le corps est faible. Voilà, notre corps est très fragile. Et il y a beaucoup plus de conditions qui favorisent la mort que des conditions qui favorisent la vie, en fait. Contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. Troisième racine, seul le dharma peut nous aider vraiment au moment de la mort. Les biens, les corps et les amis doivent être abandonnés. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Il faut développer l'attitude mentale concernée par les vies futures. Il faut penser à la mort. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est aux souffrances des mondes inférieurs. Voilà. C'est ça, les deux points principaux pour développer cette attitude mentale. On développe des attitudes mentales par la méditation. Donc, souffrance des renaissances inférieures, on envisage les trois types de renaissances inférieures et leurs souffrances, c'est-à-dire celle des animaux, celle des enfers, en général, on commence comme ça, enfer, animaux ou esprits avides, ou enfer, esprits avides ou animaux, ça dépend des présentations dans les lambrimes. On trouve les deux possibilités, soit les animaux avant les esprits avides, soit les esprits avides avant les animaux. Donc ça, c'est les souffrances des... Voilà. Et ensuite, quand on a bien développé cette attitude mentale qui est concernée par les vies futures, on va développer les méthodes qui permettent de réaliser le bonheur dans les vies futures. Vous voyez la différence entre les deux. La première, c'est on commence à s'intéresser plus aux vies futures que la vie actuelle. Et la deuxième, eh bien, on va appliquer les méthodes vraiment qui permettent de réaliser le bonheur dans les vies futures. Et là, il y en a deux. Refuge, karma. Vous voyez comment ça se goupille, comment ça se structure, tout ça. On l'avait vu un peu dans Découverte du bouddhisme, mais pas de manière synthétique, parce que bon, je n'aurais pas vous embêter avec ça, donc je faisais un peu le clown. Mais c'est en fait, la présentation de Découverte du bouddhisme, c'est ça, hein, ça repose là-dessus, hein, c'est pas autre chose. Donc, prendre refuge, méditation sur le refuge, très importante, hein, bien sûr. Alors, on va d'abord analyser quelles sont les causes de la prise de refuge. Hein. Vous savez, les deux, il y en a deux, hein. Vous savez, la confiance et la peur. Ensuite, quels sont les objets de refuge? En quoi est-ce qu'on prend refuge? Il y en a combien? J'ai eu peur. Merci. Très bien, il faut le dire, tu as raison. Bouddha, Dharma, Sangha. Il y en a trois. Pas d'autre. Bouddha, Dharma, Sangha. Donc, ce sont les objets de refuge. Ensuite, la manière de prendre refuge. C'est quoi la manière de prendre refuge? Pas aller jusque-là. Mais après, oui, ça viendra un peu plus bas. Bon, ben. Avec respect, oui, bien sûr, ça, c'est sûr. Il vaut mieux, quand même. Ah, il y a des prières, oui. Mais pendant la prière, à quoi vous pensez? À rien. La même chose que vous. Ah, bravo, Jordan. Aux qualités, c'est ça. La manière de prendre refuge, c'est quand on prend refuge, on pense aux qualités des trois joyaux. Qualité du Bouddha, qualité du Dharma, qualité du Sangha. Au niveau conventionnel, si possible, au niveau ultime, si on a le temps. Ça va tellement vite, la prière de refuge. Hein. Mais quand on est seul chez soi, on peut passer du temps. Hein. Donc, manière de refuge et les étapes de l'entraînement. Voilà, les étapes de l'entraînement, après, bon, c'est de prendre les vœux, les préceptes spécifiques et les préceptes communs. Donc là, je vous renvoie aux différents préceptes qu'on a expliqués, de prescription, de proscription, ça et tous les trucs. Donc, ça, c'est le refuge. Hein. Donc, les causes, très important. Mais sur les objets de refuge, quels sont-ils? La manière de prendre refuge en voyant les qualités de refuge et les étapes de l'entraînement, les préceptes communs spécifiques. Mais le précepte principal du refuge, c'est quoi?
C'est, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais en fait, pas le précepte, excusez-moi, le conseil, enfin, le je sais pas, le conseil, c'est plus l'attitude, oui. C'est de respecter la loi du karma, hein, d'avoir foi dans la loi du karma. Donc, on passe ensuite, quand on a pris refuge, il n'y aura pas de refuge si vous n'observez pas la loi du karma. Vous aurez beau réciter « Je prends refuge, Bouddha, Dharma, Sangha », si à côté de ça, dans le quotidien, il n'y a pas la confiance dans la loi du karma, dans la causalité du karma, il n'y a pas vraiment un refuge, en fait. Hein. On n'a pas vraiment pris refuge. Donc c'est ça le point principal, l'essence, on va dire, du refuge. Donc quand on médite sur le karma, on médite sur les quatre... comment on les appelle ? Les quatre principes, merci. Les quatre principes du karma. Hein. Le karma est certain, ça veut dire qu'action positive, résultat positif, action négative, résultat négatif. Le karma s'accroît, comme une graine et un arbre. On ne peut pas rencontrer un résultat d'un karma si on n'a pas créé. Donc on ne pourra pas être heureux si on n'a pas créé de cause de vertu. On ne pourra pas être malheureux si on n'a pas créé. Et que c'est parce que justement, on a créé des causes de non-vertu que l'on a de la souffrance. Alors, le karma créé ne s'épuise jamais. C'est le quatrième principe. Une fois qu'on en a créé un karma, si on n'applique pas d'antidote ou de mesures de confession, autre chose, de purification, le karma va forcément mûrir. Donc, ça, c'est les quatre principes. Donc voilà, ça c'est l'individu de les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale. Ok, donc ça on l'a bien vu. Ensuite, un petit peu. Maintenant on passe au deuxième plan, les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure intermédiaire. Et on va voir les sujets généraux. Donc pour développer l'aspiration à la libération, hein, c'est-à-dire c'est cultiver un esprit qui aspire à la libération, c'est ça l'état intermédiaire, l'aspiration de l'être d'envergure intermédiaire, c'est d'aspirer à la libération et de renoncer au samsara. Donc d'abord, il y a deux choses à faire. Réfléchir aux défauts de l'existence cyclique, c'est la vérité de la souffrance, et réfléchir aux étapes de l'entrée dans l'existence cyclique, c'est la vérité de l'origine. Donc c'est ce qu'on a fait. Hein. La vérité de la souffrance, on médite là-dessus, et on médite sur la vérité de l'origine. C'est les deux méditations principales. Okay, dans un cas, comment on souffre dans le samsara, et dans l'autre, comment on y est entré dans ce samsara, comment on le perpétue. Donc il y a deux méthodes. Ensuite, donc si on prend la première, on médite sur la vérité de la souffrance. Bon, ça c'est assez frais, je pense, qu'on a vu il y a pas longtemps. Considérer les souffrances de l'existence cyclique en général. Hein, donc on va méditer d'abord sur les huit types de souffrances: la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Ça, la vie. Ça c'est facile à souvenir. Ensuite, il y a les être confronté à ce qui est désagréable, c'est être séparé de ce qui est agréable, le fait que nos souhaits ne sont jamais vraiment exaucés et que les cinq agrégats sont souffrance. Okay, les huit points. Ensuite, il y a les six types de souffrance, condensés en trois. Comment ils ont fait ça? L'absence de fiabilité, donc d'où les quatre implications suivantes. On ne peut pas être sûr de son corps, on ne peut pas être sûr de ce qui aide et de ce qui nuit, on ne peut pas être sûr des situations élevées, on ne peut pas être sûr de ses compagnons. C'est l'incertitude, première souffrance. Hein. Ensuite, il y a l'absence de satisfaction. On n'obtient jamais satisfaction dans le samsara. Et l'entrée dans le commencement, dans le samsara est sans commencement.
On est dans le samsara depuis des temps sans commencement. Donc ça, c'est les souffrances générales. Ensuite, il y a les souffrances spécifiques aux divers états d'existence. Et là, c'est les destinées inférieures. Les supérieures, par contre. On a déjà vu les destinées inférieures précédemment dans le numéro 1. Et là, on voit les destinées supérieures. Les humains, les demi-dieux et les dieux. Ensuite, oui, ça va ? Je ne vais pas trop vite. Okay. Ensuite, comment on réfléchit aux étapes de l'entrée dans l'existence cyclique, la vérité de l'origine ? Alors là, on va étudier comment le karma est accumulé. Bon, on le verra après. Donc, c'est-à-dire comment les facteurs perturbateurs, hein, les facteurs perturbateurs, c'est ça qui nous fait tourner dans le samsara. Donc les cinq, les facteurs perturbateurs, il y en a 10, 2 × 5. Les 5 premiers, ce ne sont pas des vues, c'est-à-dire l'attachement, la colère, l'orgueil, l'ignorance, le doute, qui ne sont pas des vues, et les 5 facteurs perturbateurs qui sont des vues. Donc c'est la vue de l'assemblage périssable, les vues extrêmes, la vue de la surestimation, la vue des surestimations des fausses éthiques et des observances, fausses éthiques et observances, et les vues fausses. Donc tout ça, on l'a vu la dernière fois. Hein ? Donc à cause de ces facteurs perturbateurs, on accumule du karma. Okay ? Et ensuite, on a vu comment le karma a été accumulé. 3 types de karma, vous vous souvenez ? Méritoire, non méritoire et immuable. Ok. Karma immuable, c'est quoi ? Oui, c'est pour, on renaît dans le monde de la forme et du sans-forme. Bon, ensuite, on a vu comment on meurt, transmigre et prend naissance. Donc, toutes ces méditations, en fait, c'est pour prendre conscience du samsara, de la souffrance du samsara. Quels sont les... Et alors, quelque chose qu'on n'a pas vu, là. Hein ? Les 12 liens. Ouais. Donc là, on va le mettre où, ça, les 12 liens ? C'est là, en fait. Hein. Comment on meurt, transmigre et prend naissance. Ouais. C'est dans les origines, oui. Bien sûr, ouais. Okay. C'est là, c'est dans cette partie, dans ce bloc marron, là, le dernier. Là. Comment on meurt, transmigre et prend naissance. Oui, micro, s'il te plaît. Pascal. Juste pour voir si ma synthèse est correcte. Finalement, sur le premier étage, on médite beaucoup plus sur les souffrances des mondes inférieurs. Oui. Pour dire, je regarde demain, je ne veux pas revivre, enfin, ma prochaine vie, je ne veux pas retourner dans des mondes inférieurs. Mm-hmm. Donc, je m'occupe pour quoi faire pour les éviter et donc pour les vies futures. Dans le deuxième étage, on regarde, en fait, finalement, je suis dans ces mondes supérieurs et finalement, je souffre encore. Voilà, très bien. C'est ça, en synthèse. Et même si je suis encore dans le samsara, jusqu'au plus haut niveau. Jusqu'au dieu, quoi. Un dieu du sans-forme, il y aura encore de la souffrance. C'est ça. À tous les niveaux, à tous les étages. Oui. Capucine ? Oui, il y a une question sur Zoom. Attends, vas-y, Capucine, après on passera sur Zoom. Je voulais juste savoir, est-ce que les 8 dharmas mondains correspondent aux 8 types de souffrances ? Non. Où est-ce qu'on met les 8 dharmas mondains dans ce tableau-là ? Où est-ce qu'ils sont ? Hein ? C'est plutôt des capacités initiales. Les 8 dharmas mondains, ils vont venir... ils vont venir pendant la méditation sur la mort. Attends, que je dis pas de bêtises. Parce que c'est sur au moment de la mort. C'est-à-dire que pas au moment de la mort, mais quand on médite sur la mort, ça fait partie des inconvénients de ne pas se souvenir de la mort. Si on se souvient pas, si on se rappelle pas de la mort, on laisse les 8 dharmas mondains
avoir prendre le dessus sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est plus concerné par le gain, on est concerné par le gain et la perte, bonheur et déplaisir, tout ça. C'est à ce niveau-là. C'est dans les inconvénients de ne pas se souvenir de la mort. Merci. Ouais, vous aviez, oui, vous voyez pas comme ça. Vas-y, oui. Je pensais avoir compris que ne plus se soucier des huit dharmas mondains était justement un des signes comme quoi on avait réalisé les étapes de l'envergure de l'être, oui, d'envergure initiale. Non, on peut pas dire ça non plus. En fait, on les retrouve là aussi, oui, bien sûr. On commence à y penser pendant le moment de la mort et après, la réalisation, c'est là, bien sûr, évidemment. Ouais. Ouais. Sur Zoom, il y a une question ? Emmanuel ? Desfrennes ? Je crois qu'elle avait un problème avec son micro, elle m'a dit. Ouais, elle entendait, elle n'avait pas de son ce matin. Bon, mais c'est... Il faudrait que vous ouvriez votre micro. Il est ouvert. Ouais, je crois qu'elle a un problème avec le son. Sinon, l'écrire sur le chat. Bien. Donc, on a vu tout ça. Et on passe maintenant au troisième niveau. Là, on en est là. On ne va pas tout le voir, hein, puisque ça va... Quoi qu'on peut, on peut commencer déjà. Donc, quand on a fini de développer, donc quand on a vraiment le souhait d'atteindre c'est quoi la mesure du renoncement, vous vous souvenez ? Aspirer jour et nuit à atteindre la libération. Hein ? Comme si on était dans une maison en feu, à vouloir absolument sortir du samsara, avec autant d'intensité que si l'on se trouvait dans une maison en feu. Je ne vous l'ai pas envoyé. Ben, ça sera fait bientôt. Je vous l'enverrai la prochaine fois. Hein, ça vous permettra de l'étudier. C'est bien, hein, c'est pas mal fait. Donc c'est pour justement engendrer l'esprit d'éveil. Donc, et maintenant, donc l'entraînement dans la conduite qui après. Ouais. Donc il y a deux choses, hein. Il y a engendrer l'esprit d'éveil et après s'entraîner à la conduite des bodhisattvas. D'abord, il faut engendrer l'éveil. Donc, engendrer l'éveil, c'est ici. Mais je n'ai pas le chat, là. Attends, je ne peux pas l'ouvrir. On regardera après, peut-être. Non, est-ce que je n'y ai pas accès, là ? Tu peux me la dire, non ? Pas pourquoi j'ai pas accès d'ailleurs. Tu dois l'avoir normalement. Mon écran est trop petit. Ah d'accord, t'as raison. Je suis en plein écran là. Je te la lis. Ouais, vas-y alors, ce sera plus simple. Je vais tout perdre sinon. J'ai cru comprendre qu'il me fallait aller jusqu'à la réalisation de chaque point petit à petit avant de pouvoir avancer et croire que j'ai réalisé quelque chose. J'ai l'impression d'être très en retard car je sens que j'ai besoin d'approfondir même si j'ai l'impression de tout comprendre intellectuellement. Bah, c'est bien déjà d'avoir une vision globale de là où on va, et après, comme l'a dit Geshe-la ce matin, d'avancer progressivement en stabilisant chaque point jusqu'à. Voilà. Mais c'est bien d'avoir une vision globale, même intellectuelle, pour, comme une carte en fait, hein, de l'endroit où on va. Ça ne veut pas dire qu'on y est quand on regarde la carte. Hein. Ça veut dire qu'on va y aller. Et après, on développe, on avance petit à petit, quoi, en fonction de ça. Mais c'est une simple carte. Hein, donc pour vous. On pourrait la détailler encore plus, au moins. Voilà. Donc ici, elle est assez bien détaillée pour vous donner une bonne impression, une impression assez, assez complète. Donc l'engendrer l'esprit d'éveil, c'est la seule porte d'entrée vers le Mahayana. Il n'y a pas d'autre. Si on veut pratiquer le Mahayana, il faut passer par là. Il faut engendrer l'esprit d'éveil. On est obligé. Hein ? Et le Mahayana, comme l'a expliqué Geshe-la, c'est composé de deux véhicules. Le véhicule des perfections et le véhicule adamantin. Vajrayana et... comment ? Mantrayana, Vajrayana, c'est synonyme. Perfection. Prajnaparamitayana. Voilà.
Donc, ça veut dire que si on veut pratiquer les tantras, ben, il faut rentrer dans le grand véhicule. Il faut développer l'esprit d'éveil. Hein. Ou si l'on veut simplement méditer sur le Mahayana, il faut aussi développer l'esprit d'éveil. Dans les deux cas. Hein. Mais on ne pourra pas pratiquer les tantras donc, si on n'a pas cet esprit d'éveil. Ça, c'est très, très important. Hein. Ensuite, seule porte d'entrée vers le Mahayana aussi, c'est intéressant, comme l'a souligné Geshe là, c'est-à-dire que même si on a réalisé la vacuité, si on a réalisé la vacuité directement, si on n'a pas bodhicitta, hein, si on ne cultive pas bodhicitta, on pourra pas, on sera pas mahayaniste, on ne sera pas dans le Mahayana. Donc c'est pas la réalisation de la vacuité aussi forte, aussi puissante soit-elle, qui permet de pratiquer le Mahayana. C'est l'esprit d'éveil. Et je me souviens, certains maîtres disent que c'est plus difficile de développer l'esprit d'éveil, enfin de réaliser, pas de développer, de réaliser l'esprit d'éveil que de réaliser la vacuité. On est à des niveaux successifs. On peut réaliser la vacuité, rester dans le Hinayana et rester, voilà, souhaiter une libération personnelle. Pour vraiment développer cet esprit d'éveil, c'est quand même très difficile, puisqu'il faut que ce soit conjointement, on ait les deux aspirations, hein, à atteindre l'éveil et au bien des êtres. Hein, c'est oui, vas-y. Donc, la seule porte d'entrée vers le Mahayana. C'est quelque chose d'assez spécial. Oui. Oui. C'est à la continuité d'Emmanuel qui répond à ce que tu lui as dit, oui, en disant « Oui, mais quels sont les signes de mon avancée concrète dans ma vie, puisque je reste dans le samsara très longtemps ?» Ça, je pense qu'au niveau intérieur, les choses se clarifient un petit peu. On reste dans Pourquoi est-ce qu'on reste dans le samsara très longtemps ? Parce qu'il y a toujours des perturbations mentales. C'est à cause des perturbations mentales. Donc, c'est l'essentiel, là, justement, c'est de réaliser la vacuité qui va permettre de... Donc, dès le début du chemin, en fait, il faut penser à la réalisation de la vacuité, en fait. Il faut viser ça aussi. Hein. Il faut, comme l'a dit Sainte Thérèse d'Avila, il enseigne beaucoup là-dessus, c'est-à-dire, quelles que soient les étapes, il faut toujours que... Parce qu'on dit bien que ces étapes, elles sont communes. Ça veut dire qu'on vise quand même bodhicitta. On vise l'éveil. Donc même si on pratique les premières étapes, on doit quand même avoir un œil sur la réalisation de la vacuité et sur la réalisation de bodhicitta. Et après, ça peut aller assez vite. Après, il faut pas. Ça dépend des gens et des efforts que l'on y consacre et aussi du karma que l'on a. Ça peut aller assez vite. Donc, on est engendré l'esprit d'éveil, donc. Seule porte d'entrée dans le Mahayana. Et là, on a vu qu'on en est là. Donc, l'instruction en 7 points, cause et effet. Donc, on a la première, le fondement de cette instruction, c'est l'équanimité. Donc, il y a combien de méthodes pour engendrer l'esprit d'éveil ? 3. 2 plus 1. Pourquoi 3 ? Ouais, parce qu'il y a la troisième, bien. La troisième, elle reprend les deux, en fait. Hein. C'est un mix des deux. Ensuite, donc, alors, l'équanimité, par contre, elle est dans les deux. Hein. C'est la base dans les deux. Donc, dans les 7 points, donc, c'est équanimité. Tous les êtres ont été nos mères. Se souvenir de leur bonté, souhaiter leur rendre leur bonté. Alors, ce que ce tableau montre, oui et non, mais peut-être pas très bien, c'est que, en fait, tout a l'air séparé là, dans des blocs, là, vous voyez, alors qu'en fait, c'est vraiment des étapes, quoi. Et c'est ça qui est très, très important, de voir comment chaque étape mène à la suivante. C'est ce qu'a bien dit Geshe là, vraiment. Ce sont des processus de pensée. Et donc, il faut vraiment, une fois qu'on en a acquis un, ce processus de pensée va nous amener au suivant, et celui-ci au suivant, et ainsi de suite. Ouais, pas à pas. Donc, parce qu'en fait, c'est ça. On ne peut pas sauter vraiment des étapes. Hein, souhaiter leur rendre leur bonté, ici,
Et après, on développe justement l'amour, la compassion, l'attitude spéciale et la bodhicitta. Alors, attends, je continue. Donc, vous savez, il a dit les quatre premiers sont des causes. C'est-à-dire, tous les êtres ont été nos mères, se souvenir de leur bonté, souhaiter leur rendre leur bonté, l'amour, sont les causes qui permettent de développer la compassion. Et les deux autres, l'attitude spéciale et la bodhicitta, sont des effets. Pardon ? Pourquoi il y a ? L'équanimité, c'est la base. Tous les êtres ont été nos mères, se souvenir de beauté. Il en manque une ? L'amour, la compassion. Oui. La bodhicitta, c'est le résultat. Oui, il en manque une. L'intention supérieure. Comment ? Donc en fait, je vois 8 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hier, dans le schéma, c'est 7. En fait, c'est 6 plus 1. 6 causes et, Un effet. Un effet. Oui. Donc, je pose la question, quelle est la boîte de qui trop manque. De trop. C'est... Ah non, l'équanimité, c'est la première, c'est la base. L'équanimité, c'est la base. Elle ne fait pas vraiment partie de ça. Mais... Ensuite, c'est tous les êtres ont été nos mères. Non, l'équanimité, on ne la met pas dans les méthodes. Avec la bodhicitta qui est... C'est ça. Six causes et un effet. C'est ça. Merci, Michel. Je crois que j'avais pas compris la question, en fait. Bon. Oui. Xavier, une question ? Oui. Il faut que tu ouvres ton micro, Xavier. Voilà. Bonjour. Tous les êtres ont été nommés, ça ne me pose pas de problème. Oui. Est-ce que j'ai raison de penser que, au lieu de penser que Trump et Poutine, par exemple, ont été nommés, de nous dire que c'est que le continuum mental? C'est que le continuum mental, c'est-à-dire? Oui, il n'y a aucun rapport avec les corps, parce que si, mettons, on pense que Poutine a été notre mère... Oui, bien sûr, oui. C'est ça, c'est uniquement le continuum mental, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est voilà, pas, oui. Oui, bien et sûr. Parce que c'est plus facile à se... Oui, oui, complètement, oui. Exactement. Quels que soient les corps qu'ils aient eus dans d'autres vies, ils étaient différents, bien sûr. Tout à fait. Donc, on verra la deuxième méthode après. Donc, c'est l'échange de soi, l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. D'accord ? Donc, oui. Ah, mais... ouais, excuse-moi, voilà, mon calcul, moi, enfin, les additions, là, les plus-plus, moi, c'est plutôt ça qui m'a perturbé. C'est 4 plus 2, ça fait 6. Et oui. C'est là où je n'ai pas compris. Les 6 causes, il y a un effet. Moi, ça fait 7. L'effet, c'est bodhicitta. Oui, mais ça fait 7. Les 6 causes. Et là, 4 plus 2, ça fait 6. Les 6 causes, c'est tous les êtres ont été nos mères, se souvenir de leur bonté, souhaiter leur rendre leur bonté, l'amour, la compassion et l'attitude spéciale.
il y a une cause qui est un fruit, la compassion. L'attitude spéciale. Oui, après, ça dépend comment on le voit. C'est pas présenté, comment ? Oui. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y a l'équanimité en plus. C'est à cause de l'équanimité. Oui. Non, non, les causes sont à partir de tous les êtres ont été nommés. Hein. Je oui. peux ? Oui, oui, bien sûr. Donc on parle de 6 causes et en effet, on arrive à 7. D'accord ? C'est ça. Et en fait, moi, hier, j'ai noté qu'il y avait 2 fruits de la grande compassion. Donc, 2 résultants. Oui, l'attitude spéciale et la bodhicitta. D'accord. Donc c'est une autre manière de le présenter. D'accord, merci. Voilà, c'est ça. Bien. D'autres questions par rapport à ce schéma englobant, tout englobant. Je peux poser une question ? Je peux oui. poser une question ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai pas bien saisi ce qu'était l'attitude spéciale. On n'en a pas encore vraiment parlé. Hein. D'accord. Ça va venir au jeu, tout à l'heure, peut-être, je pense, okay. qu'on va en parler. Hein. Là, on en est là plutôt à l'amour et à la bienveillance. Ce qu'on a là, ici, l'amour, Valérie l'appelle bienveillance. D'accord ? La différence entre la compassion et la grande compassion, c'est clair ? Oui ? Parce qu'on parle aussi de la bienveillance et la grande bienveillance. Ici, dans le cadre du bodhicitta, ici, c'est la grande compassion, hein, puisque ça s'adresse à tous les êtres. Okay ? Aussi, voilà. Donc, c'est la grande bienveillance. Si on veut vraiment être... clair, c'est ça. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Après, un autre tableau, peut-être ce serait, qui pourrait vous éclaircir un peu plus au niveau de l'aspiration. Bon, ça, on l'a vu, je pense. Oui, ça peut vous aider, peut-être, ça, ce tableau aussi. On est dans un week-end tableau, ce week-end, hein, bon, mais c'est comme ça. Alors oui, peut-être, comment apparaissent les facteurs perturbateurs ? On va regarder ça ensemble, peut-être ça va amener des questions. Donc vous avez l'ignorance fondamentale, dans ce cas-là, c'est la vue madhyamika prasangika, c'est la même chose entre l'ignorance fondamentale et la vue de l'assemblage transitoire, hein, qui pense « je » et « mien ». D'accord ? Dans d'autres écoles philosophiques, c'est séparé. L'ignorance n'est pas la vue de l'assemblage transitoire. Elle la précède. Hein. Simplement, voilà. Mais si on pense que c'est la même chose, on voit donc que cette ignorance, ou la vue qui conçoit un soi sur les agrégats, donc, établit une distinction entre je et l'autre. D'où attachement, colère, aversion, orgueil. D'un côté, c'est-à-dire les perturbations qui ne sont pas des vues, et de l'autre côté, ça crée aussi les perturbations qui sont des vues, c'est-à-dire la vue des extrêmes, la permanence et le nihilisme, et ensuite, le doute, ça concerne la loi de cause à effet, les vies passées et futures, l'existence des trois joyaux. Les vues fausses, qu'est-ce que c'est que les vues fausses ? C'est quand on nie la loi de cause à effet. C'est ce qui nie les vies passées et futures. Hein ? C'est dire que les trois joyaux n'existent pas. C'est une vue fausse. Et la surestimation des vues erronées, c'est-à-dire les vues, par exemple, de permanence ou nihilisme, et des fausses éthiques et les observances. Hein ? Donc, c'est... comment c'est présenté ? Hein ? D'un côté, les perturbations mentales qui ne sont pas des vues, et les perturbations mentales qui sont des vues, qui ont racine dans l'ignorance, considérée comme... je te répondrai tout à l'heure, peut-être, si c'est par rapport aux 6 causes et un effet. Hein, on regardera tout à l'heure. Ensuite... voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que je vais
Il y a juste un quart d'heure. Donc, les aspirations, les méditations et les pratiques. Ça, c'est assez intéressant, ce tableau, si je trouve. Donc, vous avez le niveau, vous avez l'aspiration à cultiver, et vous avez sur quoi méditer pour cultiver cette aspiration, et que pratiquer après avoir cultivé cette aspiration. Okay ? Donc là, vous avez, ça reprend en fait le tableau qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau de l'aspiration. Hein ? Donc, première aspiration à cultiver, trouver un maître spirituel, qui est la racine de la voie. Hein. On n'est pas encore entré dans la voie, on est à la racine de la voie. Pour trouver comment cultiver cette aspiration, en méditant sur les qualités du maître spirituel et sur les qualités du disciple. Hein. On médite d'abord là-dessus, et on va donc cultiver cette aspiration à trouver un maître spirituel. Est-ce qu'on est un disciple qualifié ? Est-ce que le maître qu'on a en face de nous est un maître qualifié ? Okay. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pratique après avoir cultivé cette aspiration ? Comment on va se faire pour suivre le maître en pensée et en action ? Puisqu'on est certain que le maître est qualifié, qu'on va l'adopter comme maître, maintenant on passe à la suivante. Hein ? On fait pas ça tant qu'on n'a pas reconnu les qualités de maître spirituel. Hein ? Donc il y a un ordre logique. Ça va ? Vous voyez ? Oui ? Un peu plus fort. Je sais pas. Si vous êtes. C'est mieux comme ça. Bon, ensuite, le niveau base de la voix. Toujours dans la base de la voix. Le deuxième aspect de la base de la voix, c'est précieuse existence humaine. Donc, quelle est l'aspiration ? On veut utiliser cette occasion de la meilleure manière possible. On a cette précieuse existence humaine, on veut l'utiliser de la meilleure manière possible. Sur quoi on va méditer ? Sur ses caractéristiques spéciales et la difficulté de l'obtenir. Okay ? Et qu'est-ce qu'on pratique après ? Eh bien, on va l'utiliser au maximum tant qu'on en dispose. Ensuite, les étapes de la voie communes aux êtres d'envergure initiale. Là, on entre dans la voie. Premier niveau. Quelle est l'aspiration que l'on veut cultiver ? L'aspiration à mourir paisiblement, ça c'est important, et à obtenir une renaissance favorable. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, on est persuadé qu'on va avoir une renaissance favorable et on va pas être angoissé parce qu'on va penser, on risque de tomber dans les mondes inférieurs. Donc, sur quoi on va méditer ? Sur l'impermanence et la mort, sur les souffrances et les destinées inférieures. Et qu'est-ce qu'on va faire après ça ? On va prendre refuge et on va observer la loi de causalité des actions et des résultats. Ensuite, on passe à la voie commune aux êtres d'envergure intermédiaire. Quelle est l'aspiration qu'on veut cultiver ? La détermination à se libérer de l'existence cyclique, du samsara, et atteindre la libération, c'est-à-dire le renoncement. Qu'est-ce qu'on va pratiquer pour ça ? Les quatre nobles vérités, en voyant les défauts de l'existence cyclique, la nature des facteurs perturbateurs, les facteurs qui favorisent leur apparition, qu'on vient de voir. Les facteurs, non, les six facteurs, on ne les a pas vus. C'est quoi les six facteurs qui favorisent la perturbation ? L'objet, la graine, l'objet, on l'a dit, les interactions sociales, oui, la force de l'habitude, l'attention inappropriée. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va pratiquer avec ça ? Quand on a vu les facteurs, la nature des facteurs perturbateurs et les facteurs qui favorisent leur apparition, on va cultiver les trois entraînements supérieurs. L'éthique, la concentration et la sagesse. Mais surtout l'éthique. Puisqu'à partir de l'éthique, on va pouvoir développer les deux. Hein ? Non. Ça n'apparaissait pas sur le tableau précédent, effectivement. Ouais. Et là, on voit vraiment ce qu'il faut pratiquer après avoir cultivé l'aspiration. On cultive une aspiration et après on pratique. Une fois qu'on a eu l'aspiration à la pratiquer. Ensuite, on rentre dans la troisième étape, les étapes de la voie des êtres d'envergure supérieure. Et là, on va, toujours pareil, l'aspiration qu'on va cultiver, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On veut obtenir l'esprit d'éveil ou la bodhicitta. Sur quoi on va méditer ? L'équanimité. Toujours, 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 toujours l'équanimité.
Donc, je pense que c'est vraiment ça sur quoi il faut insister. Ensuite, les instructions en 7 points cause et effet. Premier point, hein, d'accord. C'est Pâques. J'étais sur la croix vendredi. Je m'appelle Christian. Le chemin de croix. Reconnaître que tous les êtres ont été notre mère. Non, je voulais pas que je le refasse quand même. Okay. Donc, première méthode, instruction en 7 points cause et effet, égaliser, échanger soi et autrui. Égaliser d'abord, échanger. Hein. Okay. On va en parler. Donc là, il y a 6 points. Mais parfois, il y en a 5. C'est tibétain. On verra. Donc, tout dépend comment c'est groupé. Ensuite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va, quand on a développé ça, donc, après, il y a les 11 points, bien sûr, parce que vous... Okay, on en parlera plus tard. Les six perfections, c'est-à-dire la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration et la sagesse, et les 4 moyens de rassembler les disciples. Et là, après, on peut rentrer, youpi, dans les tantras. D'accord ? Donc voilà le tableau qui reprend tout. Donc je vous enverrai tout ça. C'est tous ces tableaux. Comme travail, donc, vous aurez une auto-évaluation, bien sûr, comme d'habitude. Je vais vous demander, tous les jours, pendant ce mois sur Bodhicitta, si vous pouvez, de lire le premier chapitre de Shantideva, l'éloge à l'esprit d'éveil. Qui est dans le Bodhicaryavatara, premier chapitre de la marche vers l'éveil, ou du Bodhicaryavatara, Shantideva. Ça, c'était dit. Il n'y a pas que cette édition, il y a plusieurs éditions. Si vous pouvez, ouais, ou au moins de méditer sur une des strophes. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de strophes, il y en a 36. Alors, 36 strophes, c'est pas long quand même. Hein ? Ah bah non. Oui. Donc, et on retrouve souvent ces strophes citées par bien sûr sa sainteté, dès qu'il donne les vœux de Bodhisattva, ou par Geshe Loden, on a parlé, notamment celle où... La 28, qu'on retrouve constamment, les êtres souhaitent échapper à la souffrance, mais se jettent dans la souffrance. Ils désirent le bonheur, mais détruisent follement le bonheur, comme s'il était leur propre ennemi, qu'il a encore cité aujourd'hui. Deux fois, oui. Donc ça serait bien que vous le fassiez. Ça serait bien que vous lisiez aussi, parce que ce n'est pas dans le Lamrim intermédiaire, mais il l'a dit, que c'était pas dedans, donc ça veut dire quand il dit que c'est pas dedans, c'est vrai qu'il faudrait le compléter en le lisant dans le Lamrim, par exemple dans le Lamrim, dans le gros là, spirale, vous lisez toute la partie, tout le chapitre 18, l'entrée dans le grand véhicule, où vous avez justement la définition de l'esprit d'éveil. Ça, il faut savoir ce que c'est que l'esprit d'éveil, et surtout les bienfaits de la pratique de Bodhicitta. Ça, c'est pas dans l'imprime intermédiaire, mais ça doit être su. Hein. C'est implicite quand même. En général, les lamrimes commencent toujours par les bienfaits, les avantages. Donc ça, quels sont les bienfaits? C'est que le Bodhicitta est l'entrée dans le grand véhicule. On devient l'enfant des Bouddhas. Donc tout ça, vous avez des explications là-dessus. Vous surpassez les auditeurs et les éveillés solitaires. Vous devenez un support d'offrande et de prosternation pour les humains et les dieux. Vous obtenez instantanément une vaste quantité de mérites et les actions négatives sont instantanément purifiées dès qu'on génère Bodhicitta. C'est quand même pas mal. Tous vos souhaits sont exaucés, comme bien fait. Nous sommes protégés des obstacles. Les terres et les voies sont rapidement atteintes. Nous devenons une source de paix et de bonheur pour tous les êtres vivants. Dans tous les Lamrim Chenmo, dans Geshe Sopa aussi, vous pouvez l'avoir, dans celui-là, le truc à spirale. Voilà.
dans ce livre-là, dans le gros. Pas Gentileva. Dans le Lamrim, ici, là, le gros Lamrim, là, c'est chapitre 18. Dans celui-là. Ça s'appelle « Vous cherchez les bienfaits de Bodhicitta dans la voie de des êtres de capacité supérieure. » ça commence comme ça, en général, hein, dans le grand Lamrim. Ça, c'est bien de les avoir. Et qu'est-ce que vous voulez ? Si vous lisez l'anglais, je vous conseille aussi ça, c'est-à-dire de Kunulama Rinpoche. C'est tout le livre sur la Bodhicitta. Tout le livre. Sur les bienfaits de Bodhicitta. Si vous lisez le tibétain, vous pouvez le lire en tibétain puis vous comparer, si c'est bien traduit. Et voilà, vous pouvez. Le titre s'appelle Les strophes d'éloge à Bodhicitta. Mais c'est le sous-titre. Le grand titre, c'est Vast as the heavens, deep as the sea. Aussi vaste que les cieux, aussi profond que la mer, que l'océan. C'est Wisdom, collection Wisdom, Kunulama Rinpoche, qui est un bodhisattva. Sasante le cite toujours comme étant un fantastique bodhisattva. Et il lui a donné la transmission du Bodhicharyavatara. Sasante a reçu la transmission du Bodhicharyavatara et les explications et tout ça de Kunulama Rinpoche, il est mort il n'y a pas très longtemps, au XXe siècle. Une question finale. Oui, oui. Non. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai des petits trucs. Il y a encore 4-5 minutes. Christian, la question ? Oui. Est-ce qu'il n'est pas préférable de privilégier la grande compassion et la grande bienveillance avant de se préoccuper de sa propre libération ? Puisque le but final, c'est de venir en aide à tous les êtres pour les sortir des souffrances. Oui, mais si on n'est pas soi-même libéré du samsara, on ne peut pas aider les autres à s'en libérer. Hein. C'est pas possible. Sinon, comment voulez-vous... Si vous-même, vous n'avez pas renoncé au samsara, vous ne pouvez pas dire aux autres êtres d'y renoncer. Vous ne pouvez pas leur montrer la voie du renoncement. Donc, il faut d'abord établir le renoncement avant de pouvoir mener les êtres à la bodhicitta. C'est pour ça, et comme l'a dit Geshe Loden, j'ai trouvé ça très juste aussi, si on n'a pas vraiment le renoncement, on ne peut pas avoir une véritable grande compassion pour les êtres, quoi, si on n'a pas développé ce renoncement. Et donc tous les problèmes, quand on sent qu'on n'a pas vraiment de compassion, pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas soi-même renoncé au samsara. Ça en est la preuve. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre le renoncement et la compassion qui est assez intéressant. Et on voit que ça se développe progressivement. On ne peut pas se faire croire qu'on a la compassion vraiment pour les êtres, et encore moins la grande compassion, si on n'a pas cultivé le renoncement. Si on n'a pas réalisé le renoncement. Donc c'est comme ça que ça évolue, hein, sur la voie progressive. Oui. Est-ce que tu peux revenir, Christian, s'il te plaît, sur le 4 plus 2 ? Le 4 plus... C'est-à-dire... Moi, je suis un peu perdu avec les chiffres. C'est-à-dire... Tu ne veux pas qu'on le fasse tout à l'heure ? On va à la pause, il restera un petit moment. Je voudrais juste terminer, parce que d'accord. J'ai perdu du temps. Je croyais que je pourrais poser. D'accord, non, okay. On en parlera après. Méditation, oui. Donc, bon, ça, je vous l'avais dit, c'est vraiment le plus important, c'est que... C'est vraiment des méditations maintenant qui sont à partir de Bodhicitta. Ça a été déjà avant, mais je pense que ce n'était peut-être pas très, très clair. Et là, c'est vraiment ça sur lequel Geshe insiste. Je pense qu'il faut vraiment qu'on médite sur Bodhicitta pour la réaliser. Et vous savez, méditer, si vous pouvez méditer en lisant des livres, hein, aussi. Quand vous lisez un livre sur Bodhicitta ou sur autre chose, vous vous arrêtez dans votre lecture et puis à ce moment-là, vous contemplez aussi. Hein. Vous pouvez allier les deux en même temps, hein, pour justement pratiquer l'étude et la réflexion et la méditation. Quand vous voyez quelque chose qui a un point ou un point de logique qui vous paraît intéressant, plutôt que de lire la phrase suivante, vous arrêtez. Et vous voyez si en vous ça fait sens ou si ça ne fait pas sens.
Si ça n'a pas sens, pourquoi? Qu'est-ce que je ne comprends pas là-dedans? Et vous regardez, vous contemplez 2-3 minutes ou plus, ou 10, j'en sais rien. Et vous regardez ce point, ce que ça veut dire. Et là, vous allez voir s'il y a des compréhensions qui vont apparaître. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait que lire, hein, comme on s'endort, et puis ça ne change pas grand-chose. Quoi. Intellectuellement, même intellectuellement, ce n'est pas sûr qu'on comprenne vraiment le sens. Quoi. Tandis qu'avec cette méthode d'allier la lecture, la méditation, la réflexion, tout ça ensemble, ça prend corps, quoi, un petit peu. Et ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas de faire une heure de méditation. Hein. Vous avez besoin de s'asseoir pendant 2 heures pour simplement juste prendre quelques instants pour contempler. Vous allez voir des choses très intéressantes. Parce que notre esprit est clair, est connaissant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, dans sa définition. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de clarté qui va apparaître par la connaissance, justement, par cette capacité de connaissance. Et après, ça, les enseignements, ils auront une autre saveur, quoi, à ce moment-là. Donc, la bodhicitta, c'est l'essence c'est l'essence du Mahayana, c'est pratiquement l'essence du bouddhisme. Je pense que c'est très très important, donc, de vraiment prendre toute la mesure. Hein. Et je crois que c'est important aussi que ça ne reste pas un simple souhait. Parce qu'on a tous, bien sûr, le souhait de développer bodhicitta, on est là un peu pour ça, mais justement, par la méditation, ça peut devenir beaucoup plus qu'un simple souhait. Et ça peut faire partie de notre vie. Voilà. Donc, ce qui est assez important, justement, d'analyser ce processus étape par étape, comme l'a encore souligné Geshe, et vraiment de faire les six causes et un effet, vraiment étape par étape, pour que ça amène, les uns amènent une cause amène à l'autre, etc. Et oui, c'est, je pense, c'est donc quand Geshe la enseigne comme ça, il y a des points particulièrement importants sur lesquels il insiste. Donc ça, ces points importants, je pense, c'est important d'y revenir dans la méditation, après, quand, de pas simplement, bon, on a pris nos notes, on va répondre aux questions, mais c'est vraiment cet enseignement qu'il nous donne pendant 2 jours, là, pendant un week-end, retirer vraiment les points importants sur lesquels il a insisté, et puis ou les rouages, par exemple, essayer de les revoir, de les reprendre. S'il insiste là-dessus, c'est pas pour rien. Sinon, ça n'a pas d'intérêt vraiment de suivre un enseignement oral. Alors, à ce moment-là, on n'a qu'à lire un livre et puis on verra des choses. Mais le fait que ça soit oral, que ça soit retransmis, que ça soit transmis pour nous oralement, on a la chance de pouvoir être en face de lui et il voit où on en est, il le sait, et il dit des choses par rapport à nous. Donc, si on n'en fait rien, c'est dommage. Ça reste vraiment dommage. Parce qu'il n'a pas dit, il dit jamais rien en l'air. Hein. Et donc, s'il le dit, c'est pour nous en ce moment, donc c'est à nous de l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, ben ça, on passe à côté de quelque chose d'important. Notre point, c'est que, bon, vous savez, si on fait des pratiques de déité tantrique ou autre, même Chenrezi, bon, il est tantra, bien sûr, il y a toujours refuge bodhicitta, hein, dans tout ce qu'on pratique. Ça arrive c'est en général la première chose. Mais on a tendance à aller un peu vite quand même là-dessus. Hein, quand on fait les sadhanas, par exemple, on veut vite passer à la récitation du mantra ou à la visualisation de la déité, ou je ne sais pas quoi, ou méditation sur la vacuité. Mais s'il n'y a pas bodhicitta, en fait, ce n'est même pas une pratique des tantras, en fait, qu'on va faire. Donc si dès le départ, on n'a pas mis le refuge, on n'a pas mis la bodhicitta, on va visualiser la déité, ouais, alors elle est rouge, elle est verte, elle est bleue. Bon, c'est bien, mais s'il n'y a pas la bodhicitta, à quoi ça sert, ouais. Les tantras n'auront pas vraiment d'efficacité, quoi, à ce niveau-là. C'est simplement quand on l'a. Et même la vacuité, si on comprend la vacuité, s'il n'y a pas l'élément bodhicitta, eh ben, y a 75% de la pratique qui passe à la trappe, quoi. Parce qu'une pratique des tantras, justement, si elle n'est pas sur bodhicitta, ben ça reste très mécanique, ça reste très technique, mais il n'y a pas l'essence. Puisque l'essence d'une pratique, si on se visualise en déité, par exemple, dans les tantras, qu'est-ce qu'elle fait, cette déité? Eh ben, elle fait le bien des êtres, parce qu'elle a bodhicitta dans le cœur. Hein, on visualise sa syllabe germe sur la lune, par exemple. Qu'est-ce que c'est la lune?
c'est la bodhicitta. C'est rien d'autre. Donc, si on n'a pas cultivé la bodhicitta, on aura beau visualiser ce coussin de lune, bon, ben, ce sera un coussin de lune, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. La symbolique, elle n'a pas de sens. Hein? Cette syllabe qui vient se poser sur le coussin de lune, cette syllabe, c'est l'esprit de la déité. Mais s'il n'y a pas le coussin de lune qui la porte, cette syllabe de la déité, elle ne tient pas toute seule comme ça. Donc, il lui faut ça, il lui faut ce support constant de bodhicitta. Donc, et si on ne pense pas à bodhicitta, en fait, on est un peu à côté de la plaque, quoi. Parce qu'après, l'esprit de la déité, il s'est posé sur la bodhicitta. Donc, il y a eu la vacuité, bien sûr, au départ, qui a fait apparaître tout ça. Mais quand, par exemple, dans Chenrezi, quand on fait la pratique de Chenrezi, on visualise d'abord la vacuité, et après, on visualise que de la vacuité apparaît un coussin de lune sur lequel vient se poser notre esprit. On entend le son du mantra, mais tout ça, c'est vide. Et ça prend corps à partir du moment où l'on a généré cette bodhicitta. À ce moment-là, on récite le mantra. Et quand on récite le mantra, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rayons de lumière qui vont faire le bien des êtres, de tous les êtres. Parce qu'il y a la bodhicitta, il y a la compassion, on est un Bouddha. Donc un Bouddha, s'il n'a pas la compassion, s'il n'a pas la bodhicitta, ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est vraiment le cœur, quoi, le cœur de la pratique. Et jusqu'au... Voilà, donc c'est pour ça que les tantras font partie vraiment du Mahayana et que la bodhicitta doit être à la base cultivée. Donc dès les premières lignes, en fait, des sadhanas, on cultive la bodhicitta. Donc, quelles que soient nos méditations, en fait, je pense que c'est important de rester un peu plus de temps que d'habitude sur la bodhicitta. Si on a l'habitude de faire ça en 5 minutes, ben là, on va essayer de mettre 10 minutes, du coup, rester plus longtemps. Et la pratique, elle prend une autre allure. Elle prend un autre... Il n'y a pas le même ressenti, quoi. Si plus on reste longtemps sur la bodhicitta, plus la pratique... plus on la sent, la pratique, en fait. Plus elle a de l'effet. Pratiquer les tantras, ça ne veut pas simplement dire avoir une belle visualisation, bien claire, où on voit la déité qui vous apparaît dans toute sa splendeur et tout, quoi. Mais c'est ressentir ce qui se passe avec l'aspiration. Et voilà. Oui, il y a une question, une dernière question pour Daniel. Par rapport au développement de bodhicitta, oui, et au vœu de bodhisattva ou à l'aspiration au vœu de bodhisattva, oui, je suppose qu'il y a une relation. Ah ben bien sûr. C'est une question que je pose. Oui, 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 on va en parler. On n'en a pas encore parlé des vœux de bodhisattva. D'accord. Ça va venir dans l'engagement, dans la mise en action de la bodhicitta, avec la pratique des six perfections et tout ça. D'abord, on en est à la première partie, où on essaie d'engendrer la bodhicitta. Et après, on verra sa mise en action. Merci. Avec les vœux de bodhicitta. Ou les vœux de bodhisattva. C'est bon, on peut... Ouais. On fait une petite pause avant de reprendre, oui, 20 minutes de pause. Merci à vous.